Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Pascal, émission numéro 2 sur les Martins Custom Shop. Dis donc, t'as pas une petite larme à l'œil? Bon, eh ben oui, c'est la deuxième des Custom Shop Martins. Et on commence par pas n'importe laquelle. Non, on va commencer par la une 3-0, 0, oui. 0, 0, 0, oui. Pascal. Oui. La 3-0 Pascal. C'est la 3-0 Pascal, modèle unique en son genre et puisque, au monde. Puisque, comme on a expliqué dans les autres émissions, ce qu'on n'a pas vu, regardez celle d'avant, c'est qu'on a déjà présenté la l'OM John. Oui. Hein, la triple 0 Caroline. Caroline. Et en fin de compte, ces guitares ont été fabriquées par le Custom Shop à Nazareth de Martin sur nos spécifications. Voilà, exactement. Voilà. Donc, Pascal, lui, a choisi un format 3-0 oui. Et regarde un peu comment c'est beau. Il y a du goût, truc. Pascal. Là, hein. Il y a du goût, Pascal, je dis. Il y a du goût, Pascal. Il y a du goût. Ouais, il y a du goût, Pascal, il y a du goût. Je suis trop haut, non? Tu veux que je me baisse un peu? Non, non, non. T'es bon, là? Alors, on commence bon, par attends, la table. Bon, attends, on va commencer par la table, parce que là, tu vois, il y a des pets partout. Ça. Ouais, bah ça, oui. Ça, qu'est-ce que c'est, cette guitare avec des pets, là? C'est pourri, ça, c'est pourri. C'est pourri? Il y a des trucs, là. Bon, non, bah, vous vous rappelez, John, il a été inspiré par une Purple. Sur la mission d'avant. Ouais. Je vais expliquer pourquoi. Eh ben, moi aussi, en fait. Parce que la Purple qu'on avait eue, elle était aussi en Berclos. Berclos, c'est quoi? Eh ben, c'est des griffes d'ours, tu vois. Et c'est, j'ai eu la possibilité, en fait, de mettre un Sitka Epicéa, du coup, Berclos. Donc, vous voyez, ça fait des marques comme ça. Par contre, chez Martin, ils ont un ours, un grizzly, oui. Qui est attaché. Enfin, il est sympa comme tout, d'ailleurs. Et ils mettent des planches devant lui et voilà. Il griffe tout. Bon, il les bouffe et puis après, ils font une gratte avec. Toute la journée, voilà. Vrai ou faux? Bah, vrai, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Bon, on aurait dû le montrer dans la vidéo d'ailleurs. Ah ouais, bah oui, mais non, vous pouvez pas. Moi, j'ai bon, pas. Donc voilà, Epicéa, Sitka, Berclos. Bon, c'est pas pour tout, la mais table. Regarde un peu. Attends, petit ringbone là. Le petit ringbone enfilé, regarde ça. Oh, comment c'est beau. Tac. Ah bah dis donc, c'est quoi ça? Un Pickguard. Ouh, une goutte d'eau, mais une goutte d'eau spéciale. Un petit inlay dessus, regarde ça. Une magnifique fleur. Quel goût. Et après, on a la rose. Attends, elle est belle cette fleur. Attends, ouais, incrustée en acre, t'as vu le boulot, non? Bah ouais, carrément. C'est, ça, toi, ça met aussi en valeur la guitare, je trouve. Je trouve c'est très joli. Ouais. En plus, c'est pas un truc de ouf, c'est pas ostentatoire. C'est léger. Ouais, c'est plutôt léger. Mais attends, parce que tu vois ici, autour de ma rosa, j'ai... Ouais. On a trois... anneaux. Voilà. Et il y a les ringbones qui est rappelé au milieu. Absolument, qu'on rappelle sur les côtés de l'église. Magnifique. Voilà. Et évidemment. Un modern belly. Ouais. En chevalet. Avec tes petits les trucs. Petites chevalets chevilles. Avec tes petits nacres au milieu. Et évidemment, comme toujours, un scié en os. C'est ça. Si je remonte, alors je baisse un peu la guitare pour que tu sois mieux. Et eh bien, regarde. Voir. Et ben là, j'ai choisi un manche une touche en ébène, manche en acajou, véritable, bien sûr. Oui. Et on va avoir des super inlay style 45
en flocons. T'as vu comment c'est super fin là, le dernier là, Regarde, ça fait mal. Je mets mon médiator à côté. Oui, médiator, c'est un truc de ouf. Donc on monte. Mais dis-moi, ils sont un peu particuliers. Oui, c'est juste le contour en fait des inlays et ils sont pas remplis. Ils sont pas remplis. Comme les autres. Ouais, t'as un magnifique ouvrage. Voilà. Mais la tête, tête. Et on termine tête. Avec une tête ajourée, monsieur, avec un petit Martin Establish 1833 tout en haut. Voilà, alors attends, je retourne. Des Mecha Grover dorés. C'était beau. Hein. Bon, pour le moment, regarde la fin. C'est beau. Regardez je là. Retourne. Regardez-la, comme elle est belle. Attention, prêt? Vas-y. Et là, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Là, vous allez me dire, bah ouais, mais non, mais attends, on va t'expliquer. Ouais, on va t'expliquer. Parce que Pascal, il met pas de la cajou comme ça, quoi, tu vois. Alors, j'ai eu la possibilité d'avoir, tout simplement, le dernier morceau de bois à cajou. Sinker que Martin avait de disponible... Quand on est passé, et ils ont savaient pas s'ils allaient en avoir d'autres. Tu rappelle avec le machin innovateur. Ouais, tout en haut. Donc tu vas me dire, ouais, mais c'est de la cajou. J'ai dit oui, mais c'est pas n'importe quelle cajou. Non. Le Sinker, comme son nom l'indique, pour ceux qui sont bilingues, c'est plein. Coulé. Donc en gros, c'est quoi? C'est à l'époque où les forêts européennes, il n'y avait plus, beaucoup de bois là-dedans, ils ont trouvé le filon du côté de Belize et d'autres endroits comme ça, tu vois. Et ils transportaient le bois sur des canaux, des trucs comme ça, tu vois, des bouts de bateau. Oui, puis ou pas alors, que ça se baladait directement voilà. Aussi. Ouais. Ça existe encore d'ailleurs, hein, ouais. Ce qu'ils appelaient les traîneaux de rond. Ouais. Donc avec des grosses billes qui sont attachées les unes entre elles ouais. Et qui vont dériver comme ça sur le fleuve. Ça coûte moins cher, etc. etc. Mais il y avait des accidents. Bah oui. Et donc il y en a qui sont tombés au fond de l'eau. Et du coup c'est tombé au fond de l'eau, mais ça ne pourrit pas. C'est complètement protégé. Ça ne pourrit pas. Non. Et du coup il y a eu ce bois-là qui a été renfloué. C'est ça. Remonté. Alors petite histoire, c'est très technique, c'est chiant, ça coûte cher. Voilà, il faut des barges spéciales, etc. Donc Martine en a fait remonter un certain nombre, et puis après c'est fini. Puisque déjà il faut retrouver où ils sont, etc. Mm-hmm. C'est tout un truc avec un sonar, enfin bon voilà, ils nous ont expliqué, c'est très très chiant. Et en fin de compte, une fois que c'est fait, il faut l'autorisation aussi de l'État. Oui, oui. Puisque ça appartient à l'État. Donc automatiquement, c'est très compliqué. Ils ont réussi à remonter, ils n'ont jamais voulu nous dire exactement combien. Mmh. Hein, voilà, ce qui sait que là, ils étaient à zéro. Mais il n'y avait plus que ce morceau-là. Et Pascal a dit, hop, moi je connais. Pourquoi je connais? Parce que j'avais lu des choses là-dessus. Bien sûr. Pour Grün Guitars aux États-Unis, hein, le fameux revendeur de Nashville. Alors. Et du coup, lui, en fait, il avait fait des séries spéciales quand il y avait un peu plus de Sinker de disponibles chez Martin. Et tout simplement, lui, il n'a pas peur de dire que ça sonne pareil ou mieux que les meilleures années Martin, la Golden Era. Bon, alors déjà, tu sais, on va parler aussi un peu d'histoire. Mm. On ne sait pas quel âge on les billes. Enfin, exactement. On est au moins à 100 ans. Moins 100 ans. Puisque ils ont essayé de dater avec des technologies modernes certaines billes et... Avec des bûcherons aussi d'ailleurs qui connaissent bien le bois, etc. Ouais. Les minimums c'était 100 berges, hein, mais ils en ont trouvé à 200 ans. Donc voilà, alors donc vous imaginez que là peut-être qu'on a un acajou qui a 200 barreaux. Hein, voilà, et qui a bien séché, hein, du coup, tu vois, il est sec. On va avoir un truc de hyper dynamique, beaucoup plus responsif. Voilà, c'est un truc, tu vois, où on va avoir vraiment un son à cajou, puis surtout avec ta griffe de loup, là, le mélange. La griffe d'ours, s'il te plaît. Je m'en fous, tu sais, des fois... C'est un gros prédateur aussi, mais j'ai c'est envie plus gros. De faire ce que je veux, j'ai envie qu'elle s'appelle griffe de loup, puis c'est tout. Ok. Bon, allez, fais-nous écouter la belle. Thank you.
Fais très attention encore. Regardez mon bébé. Mon bébé. C'est mon bébé. Bébé. Merci Martine. Eh, on donne le pognon après. Ouais. On donne le pognon après. Mais attends, celle-là, même cuvée. Oui. Bah, celle-ci, en fait, si vous vous rappelez du film, elle était disponible au moment où on était là-bas. Du coup, c'est pas nous qui film, l'avons... magnifique. D'ailleurs, on a monté les marches, moi et Pascal, et une partie de l'équipe, au Festival de Cannes. Exactement. On était donc, les marches, mais par contre, c'était les marches pour descendre à la cuisine. Ils nous ont envoyé. On a fini à la plonge, voilà. Mais on y était quand même. C'est ça. Hein, parce que notre film a quand même marqué les esprits. C'est ça. Hein, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube American Music. N'hésitez pas à aller le voir. Hein, où vous pourrez voir celle-ci et la poêle de chien qui est encore... Il y en a une à Bordeaux si elle vous intéresse, la poêle de chien. Alors celle-ci, elle est magnifique parce que c'est une acajou. Voilà, un modèle forme GP. Grande performance. Grande quoi ? Grande performance. Et on est sur une acajou massif flammé. Partout. Dos et éclisse et table. Regarde ça. Oh là, l'effet 3D derrière. Oui, je t'aime. Et ça, elle est magnifique. Nos petites nirigbonnes. Oh, un petit talon avec un petit truc rajout sur la petite. Oui. On est quand même des malades, non ? Oui, je pense. Il y a quand même un problème. J'espère que, ils ne regardent pas trop. Moi, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital psychiatrique. Quoi. J'ai pas envie d'y aller, je leur ai dit déjà. Ouais, mais après, des fois, t'auras peut-être pas le choix. C'est peut-être tes proches qui le feront pour toi. Mes proches ? Oui. Ah, cajou ! Tu vois, genre l'équipe du Hurricane, par exemple. Qui pourrait décider de t'envoyer en vacances. Mmh. Hein ? Ouais, écoute, là, je vais pas être tout seul. Hein. Il y aura du monde, hein. Ouais. Hein, c'est ça. Hein, hein. Bon, écoute, tu déteins sur moi, je parle comme toi. C'est n'importe quoi. C'est ça. Une acajou massive, magnifique, custom shop, dans la même cuvée qu'on avait pris là-bas et qu'on avait ramené avec nous. C'est ça. C'était un joli bébé aussi. Avec un CMF Martine sur ouais, la tête. Magnifique tête. Enfin, tout est beau, hein. J'en ai marre. Ouais. Oh, j'en ai marre de ces grosses pelles, là, les machins, les trucs, et voilà. Bah oui, parce qu'après, c'est un peu fade de jouer une autre guitare. Bah, disons que c'est des étages que tu descends d'un coup. Hein. on fait un truc qui fait mal. On va parler du prix. Ouais. Bon, allez. Allez. L'AGP. Ouais, d'ailleurs. L'AGP. Vas-y. Dis-nous tout. Je crois bien qu'on est dans les 7005. Ouais. Pour moi, elle est à 7005, cette guitare. À vérifier, mais les prix changent tous les jours. 7,5 pour une pelle, encore une fois, unicorne.
Hein. Voilà. Des guitares comme ça, il n'y en a pas deux. Bah non, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'une, elle est là. Attends, je fais très attention encore une fois. Je fais extrêmement attention que je pose délicatement la belle. Et je prends la 3-0 Pascal. Mais alors celle-ci, là, il n'y en a vraiment pas deux. Hein, parce qu'il n'y a que Pascal qui aurait pu imaginer ça. Hein. Griffe d'ours. Et pas griffe de loup. Le petit Pickguard. Mais alors, le fait que je chope le dernier bout de sinker qui traînait chez Martin, quand même. Hein. Ouais, ok, ok. Voilà quoi. Ok. Oui, la vous avez mis de la myrte, moi, la myrte, elle est mis... Elle est belle, ta myrte. Ouais, bon. Donc voilà, donc, toutes les guitares ont des essences différentes, hein, du coco. Exactement. Bolo, la cajou, la myrte, enfin, voilà, de c'est il en reste une, ça va être la surprise pour vous. C'est ça. C'est Thomas qui va vous la présenter, ouais. La sienne. À Bordeaux. Voilà. Donc, celle-là, ça vaut combien? Bon, vous vous rappelez le prix des autres? Bon, ben on descend un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais, ouais. Bon, allez, on y va. Allez. 11 000. 11 000 balles. L'OM Jones, c'était 14 000. Oui. On va dire, hein, 14 200. On va trouver un bien. C'est ça. La 3-0 Caro. 12. Dans les 12 000. C'est ça. La 3-0 Pascal. Oui. Dans les 11 000. Voilà, exactement. La petite Acajou. Grande performance, elle est quand même à 7,5. 7,5 parce qu'il n'y a pas notre patte personnelle dessus. Non. Voilà, c'est pour ça. Voilà. En fait. franchement, oui, ça fait rêver. Oui, vous allez vous dire, mais oui, bon, c'est des guitares, moi je ne peux pas me les payer. Oui, bah, moi non plus. Hein. Mais ces guitares, moi le rêve de la guitare, c'est ça. Mais oui. Rêver d'une pelle. Je ne peux pas l'avoir, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle sonne, enfin voilà, c'est plein de choses comme ça, moi c'est du rêve. C'est toute l'histoire. Des fois on vend du rêve aussi, derrière, tu vois. On vend du rêve aussi, moi vendre du rêve c'est une partie de ma vie. Parce que tu vois, voilà. Quelqu'un qui achète l'OM John par exemple, mais il aura un petit bout de John chez lui. Voilà, quelqu'un voilà. Qui achète le meilleur, hein, pas le pire. Triple zéro carreau, bah, voilà, il a un bout de carreau à la maison. Absolument, et un bout de Pascal. Voilà. Triple zéro Pascal, bah, et là, quand tu la fous au mur, elle fait... La gratte, pas. Bon, non, mais elle est magnifique, elle sonne. Oui. On est con des fois. Voilà. Bah oui. On est con des fois. Voilà. Ça vaut des ronds, ça vaut 12 000 balles, mais regarde-moi le truc. Voilà, je tourne dernière fois, mais c'est juste à tomber raide par terre. Voilà, voilà. PLS, quoi. Exactement. C'est du PLS, tout ça. Je pose. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'abonne pour suivre nos aventures. Voilà. Hein, que ce soit le vendredi, la grosse battle. La grosse battle, là, aujourd'hui, c'était la battle. La battle des. Bon, ça fait deux semaines qu'on fait battle. Ouais. Attention, c'est battle top niveau là. Ça fait deux semaines qu'on fait les battles Custom Shop. Okay. C'est ça. Et voilà. Du coup, après le mercredi, vous avez le Guitar After Work. Si vous avez envie d'un petit apéro après le boulot. Avec Thomas, avec à Thomas, Bordeaux. Une petite heure là. Parfait. Voilà. Et il y a le nouveau rendez-vous. Alors, qui arrive. Alors, ouais, on en parle à chaque fois, ça vient pour. Mais ça va venir, ça les gars, bosse. les filles, les gars. Ça bosse, mais on n'est pas trois. On n'est pas quatre. On est deux. Et on a deux petits bras chacun. Donc voilà, ça met du temps. Ça met du temps, mais c'est pas mal. Déjà, on a fait tout ce qui est bande-son, tout ça est créé. Donc, exactement, voilà. Ça c'est... Maintenant, les prochaines vidéos, on va revenir à l'électrique, évidemment. Oui, bah oui, parce que tout le monde... Quoi, qu'est-ce que c'est ça? Bah oui, le fesse qui arrive, tout ça, on va reprendre des grosses guitares. Bah oui, il est avec du bruit. Oui. Puis de la fumée qui sort de la hâte de vous montrer tout ça. Bah oui, voilà. Les guitares qui font des rayons laser et tout. Ah ouais. Hein, oui, c'est bon. On va te déguiser en Kiss. Ouais, bah pourquoi pas, moi tu sais, je veux te dire, rien à foutre. Oh, attends, on va pas faire des promesses qu'on pourra pas tenir. Ouais, ouais. Ouais. Bon, oh. Hey, les enfants, on vous fait des gros bisous, Pascal, à très bientôt. Et oui. Puis, Alléluia, Custom Martin. Salut, Custom Martin, à bientôt. Bisous.